Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, une petite question. Est-ce que l'érection est un luxe? Pourquoi je vous demande si l'érection est un luxe? Parce que vous soyez âgé ou non, malade ou non, handicapé ou non, vous avez des fois des problèmes d'érection. Et pour éviter, ou plutôt pour pallier les problèmes d'érection, il vous est proposé plusieurs médicaments. Je ne vais pas parler de tout ce qui est les Z style pompe à vide, etc. Je vais vous parler de stimulation par les comprimés déjà. Je vais passer sur ce qui est des injections intracaverneuses, ça veut dire on pique dans la verge pour avoir l'érection. Mais déjà, pour vous parler, on va dire des trois plus grandes marques, et plutôt des trois plus grands produits, le Levitra, le Cialis et le très très connu Viagra. Mais ces comprimés ont un prix exorbitant. Ça va de 60€ jusqu'à plus de 150€. Mais surtout, il faut savoir une chose qui est assez honteuse. Ces produits qui sont pas du luxe pour certaines personnes, je dis pas quand vous avez 70, 80 ans, que vous avez eu une vie sexuelle déjà très riche, bon, c'est pénible, mais vous pouvez encore vous dire, bon, j'ai bien vécu ma vie sexuelle, etc. Mais lorsque vous êtes assez jeune et que vous avez des problèmes d'érection et qu'en plus, ce coût est exorbitant et que des pharmaciens, comme le prix est libre, se disent, eh ben, en Haute-Savoie, je vais le vendre 118€ la boîte, et en région parisienne, cette même boîte de 28 comprimés de Cialis, au lieu d'être à 118€, je vais la vendre, comme moi je suis pharmacien en région parisienne, je vais dire, tiens, 118. Il y a quand même un prix exorbitant, 20€ de différence entre les boîtes. Et là, vous vous dites, on nous prend vraiment pour des cons. Oui. Alors, c'est pour ça que ma question, est-ce que l'érection est un luxe? Et il faut que vous sachiez une chose. Cette prise en charge n'existe pas. Il n'y a pas de prise en charge par votre sécurité sociale et donc par la mutuelle. Aucun organisme va prendre en charge vos problèmes d'érection. Donc, est-ce que l'érection est un luxe? À vous de me le dire par un petit commentaire, en partageant ma vidéo et en disant à vos amis, est-ce que vous pensez que l'érection est un luxe? Je sais qu'il existe aujourd'hui des génériques, mais quand même, est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez un maximum cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.